Et nous sommes donc euh, de retour à la SFCO euh, en compagnie de Resco. Resco, comment tu vas Très bien et toi, je, Coco Ça va très bien. Ça va <laughs> Ça va, ça va. Bon, comment se passe ta Raconte-nous un petit peu. Bon, ça va, une est tranquille hein, on mix euh, avec des potes. D'accord Alors, t'es avec qui en mix Avec euh, Zezo, Roni et euh, Fleco. D'accord, ok, vous avez fait quoi comme, euh, comme perf comme On a fait euh, 5-6. Top 5-6 5-6. Ça s'est bien passé ce que Ouais, ça va avez... juste euh, samedi. On a Enfin, nos maps, euh, on a mal joué. D'accord. En on pool Ouais, en pool, donc euh, au final, ça n'a pas d'importance mais euh, surtout le match après contre Joko, on perd sur des conneries genre euh, ce qui fait qu'on peut pas avoir le top 4 parce qu'on joue Bella c'est bon, okay. ouais. c'était un peu compliqué en mix euh, de pouvoir rivaliser contre Bella euh, ouais Bella c'est trop fort Bella c'est fort c'est fort tu <laughs> penses qu'ils vont gagner toi la finale loser bracket là euh... Ils sont contre Unit contre Unit ouais si Vortex est, est pan... si Vortex à top... top... son top niveau non d'accord okay. mais euh, si Vortex si il est pas dedans et Zidix, euh, est vraiment chaud parce que je trouve Zedix sur Salon il est même zek super strong Petit tu pronostic toi pour toi Sachant que Vortex vient quand même de sortir d'un match assez serré contre Monaco eSport, Ouais il était, il était mais bien. ouais ouais mais ok mais pour moi genre Vortex c'était Monaco Donc s'il voulait prouver aussi que c'est Vortex un pro, Donc là il connaît pas forcément les joueurs et tout je pense que je pense que l'HP euh, per... Enfin Bella perd les, euh, la CTF D'accord ok 3-1 ou 3-2 pour 3-1 ou 3-2 d'accord bon, C'est ouais. pas plus mal ouais. Bon Talen s'est bien passé ouais, T'es plutôt content de ton résultat c'était plus bien. pour le fun en soi. Oui, oui c'est très bien. L'ambiance. C'était cool, toujours. Bah pas... Il manque des têtes un peu, tu vois. C dommage. C'est un peu pas trop d'équipe, c'est dommage. Je sais pas si t'as vu. On a changé les écrans de la totalité ouais, des si, stations vu, de la SFCO. Vu, euh, on est passé sur des écrans euh, Viewsonic, notre ouais. nouveau partenaire, mm -hmm. qui sont quand même euh, très bien. On va un se mentir. Oh, ils sont bien. Qu'est-ce que t'en penses Bah ça change. C'est vrai que les anciens écrans sur euh, les stations, c'était compliqué. C'était compliqué parce que en fait, il y avait des styles de jeu que ça ne connaît pas l'écran. Et je sais pas. Enfin, moi, c'était mon ressenti. Hein. Après, je ne me suis jamais plaint. de façon il faut jouer. Tu joues sur un écran. Bien tu sûr. joues. C'est le même pour tout le monde. Mais euh, la différence, est... elle est flagrante. C'est comme en général, les gens leur setup chez eux. Leur écran est assez nouveau. Comme, le... comme en fait, c'est comme ça se ressent beaucoup plus à ce qu'on a chez nous qu'avant. Qu ouais, d'un euh, point, euh... point de vue du confort. Ouais, bah c'est bien. C'est rien de à de voir. De... De... En fait, c'est beaucoup mieux. D'un point de vue des performances aussi, ça fluidifie quand même le jeu est-ce que c'est des c'est des écrans qui sont assez performants. CD1MS, si je ne m'abuse. 24 pouces, 1MS Ouais, c'est ça. Des écrans euh... qui ont une performance assez poussée. Non, mais ils sont bien. Hein. Ils sont bien, ils sont bien. Je pense que. Honnêtement, ouais. je pense qu'on peut. Un... Euh... En tout cas, sur les écrans, rien à dire. En tant que joueur, tu peux te joindre à moi pour remercier ViewSonic de nous avoir fourni la totalité des écrans qu'on utilise maintenant à la SFCO. Ouais. Et merci euh, ViewSonic. Un grand merci, merci à ViewSonic merci, merci, euh, merci. pour ces écrans qui sont très performants, qui plaisent apparemment, comme vous pouvez le voir, euh, aux joueurs. Ouais, bah ouais, c'est cool, cool. Ils sont très, bien. très bien. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, une petite dédicace, un remerciement à faire euh, Ouais, bah, petite dédicace à Team Lexuria qui nous a permis de faire la LAN. C'était cool. Une structure euh, vraiment euh, qui vient de commencer il y a deux mois, ils se sont mis à fond dedans il y a un mois. Puis le staff est cool, euh, ils encouragent les joueurs et tout. Franchement sympa, merci. Puis euh, à mon équipe et à tous mes fans, merci. Et surtout à euh, SFZ au God Pas de soucis mon pote. Bon. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette petite interview. Merci à toi Resco de nous Pas avoir soucis. consacré un petit peu de temps. Puis quant à nous, on se retrouve d'ici quelques instants pour la finale Loser Bracket, d'ici une dizaine de minutes je pense. Voilà, pour assister à la finale Loser Bracket opposant Bella, l'équipe des Units A tout à l'heure.